Salut à tous, c'est Otakult. Je suis enfin de retour après quelques semaines de galère puisque mon PC m'a lâché tout simplement. J'ai donc dû attendre un peu avant de me procurer un nouveau PC. Et voilà, c'est bon, tout va bien, je suis enfin de retour. On se retrouve donc pour un petit haut-à-point histoire de vous parler de 2-3 petites choses avant le retour à la normale des vidéos. On va parler de mon nouveau PC, de l'avancée des vidéos, d'un concours qui se passera sur mon Instagram, etc. Tout d'abord, je tiens encore une fois à tous vous remercier sincèrement. Je savais que j'avais une très bonne communauté. Toujours là pour commenter, toujours présente pour liker et répondre tout simplement présente à chaque vidéo, mais je l'ai réalisé plus concrètement ces dernières semaines. Ensemble, vous m'avez permis de récolter environ 150 balles sur Utip en visionnant quelques pubs chaque jour. Certains m'ont aussi fait quelques dons. Je ne m'attendais vraiment pas autant de soutien pour un si petit youtubeur comme moi. Donc merci à toutes et à tous encore une fois, ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on peut compter sur sa communauté quand les feux sont au rouge. Merci aussi pour votre patience, certains étaient même en panique totale, comme si j'avais stoppé YouTube définitivement. Calme les gars, au contraire même, je ne suis pas du genre à voir le verre à moitié vide, j'en ai profité pour me reposer, chose que je n'avais jamais fait encore depuis mes débuts sur YouTube, voilà ça fait quand même un peu de bien. Être privé de PC et de vidéos pendant quelques semaines c'est rien du tout, certains ont des vies plus difficiles que toi, certains vivent un enfer quotidien. Quand il m'arrive une merde perso, c'est ce que je me dis toujours, et franchement je vous conseille aussi de raisonner comme ça de temps en temps, pour garder le moral, voilà c'est toujours bon. En tout cas, personnellement, ça m'aide bien. Mais bon, maintenant, je suis motivé à 200%. On va revenir en force et croyez-moi, avec ce PC, ça va me faciliter la vie à un tel point que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous mettrai ma nouvelle config dans la description et je vous recommande au passage le site Top Achat. C'est vraiment des bons gars. Aucun placement de produit, je tiens juste à mettre en avant leur excellent taf. Je remercie aussi mon poteau Ouki qui m'a été d'une aide précieuse pour le choix de ma config. J'exagère même pas, je vais gagner entre 3 à 4 heures par vidéo. Voilà, avec ce PC, c'est ouf. Tout est absolument fluide, à côté de ça mon PC portable respirait par le cul, je devais limite attendre 10 à 20 secondes entre chaque clic, voilà les programmes qui mettaient 20 ans à démarrer, ça ramait de ouf, voilà c'était l'enfer. Et je ne parle même pas des rendus qui me prenaient entre 2 à 4 heures, parfois 6 heures, ça dépendait des vidéos. Je tiens aussi à remercier le collègue Goji pour ses conseils et ses partages, mais aussi toute la team de Scatran France qui est toujours là pour moi, donc voilà merci à vous les gars. Puis pour en revenir aux vidéos, comme je vous l'avais annoncé, je compte rattraper mon retard sur les vidéos jump en priorité, notamment les jumps numéro 8, 9 et 10 que j'ai loupés. Le 11e ne sortira pas dimanche, donc pas demain du coup. On reprendra le rythme hebdomadaire habituel dès dimanche prochain avec le jump numéro 12. Bien entendu, je suis conscient que ça représente quand même un sacré taf, donc je vous partagerai uniquement les classements. Cela va surtout me permettre de tester mon nouveau PC, me remettre dans le rythme des vidéos en reprenant directement à 200%, puis on va pas se le cacher, c'est aussi une question de référencement. YouTube met déjà assez peu en avant les petits vidéastes comme moi, donc après une pause, c'est pas évident de repartir de l'avant à ce niveau-là pour une chaîne comme la mienne. Enfin bref, j'ai confiance en vous, c'est pas le souci, je sais que vous répondrez présent, mais par contre concernant la plateforme elle-même, je me méfie. Bon après, il y a aussi le fait de passer du jump 7 au jump 11 directement en sautant les autres, ça me perturberait trop. Bref, tout ça pour dire que pas mal de vidéos risquent de popper dans la semaine, donc activez bien les notifications. Mis à part ça, j'ai reçu pas mal de mangas aussi, et j'ai hâte de vous parler de certaines séries. Il y aura du Jagan, du Peleliu, du Pluto, ou encore du Kingdom très prochainement. Donc voilà, restez connectés. Je vous demande encore un peu de patience pour les vidéos mangaka et Ota perso. Les prochains épisodes arriveront au mois de mars, et je compte bien en enchaîner par la suite. Et enfin, comme annoncé précédemment, j'ai mis en place un concours sur mon Instagram pour vous faire gagner le premier tome de l'édition Deluxe de Sunken Rock. Voilà, le lien du concours sera dans la description. Bonne chance à toutes et à tous. Et encore une fois, merci pour votre soutien. Voilà, c'est ma façon de vous remercier. J'en ferai un autre très bientôt qui se passera sur Twitter cette fois-ci. Peut-être au mois de mars, on verra bien. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux d'ailleurs, pendant que j'y suis. À savoir Twitter, Instagram, Snap, Utip ou encore le Discord de la chaîne. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Quant à moi, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous partager et à vous dire. Merci encore vraiment. Portez-vous bien et à très vite pour de prochaines vidéos. La vidéo du jump numéro 8 sortira dès demain. Voilà, restez à l'affût. Sur ce, moi je vous dis, on se reverra.